Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Duty Game. On se retrouve pour le deuxième vrai épisode de Agriti sur FS19. Alors, comme on avait dit la dernière fois, je vous ai dit on allait acheter notre matériel. Oui, j'ai pas encore revendu l'ancien matériel qui vient voilà du farm pour avoir l'argent de la pour quand on farmait pour créer la ferme. Et du coup je les vendrai en fait quand on sera en live parce qu'en fait on a le silo, tout ça, on a des silos, on a encore de l'ensilage, tout ça en fait à déplacer à la ferme. Et du coup bah je ferai tout ça en live. Et là de toute façon là on s'occupe pas, on fait pas encore du travail, là aujourd'hui on est là pour acheter le petit matériel. Alors bah on va regarder ça ensemble avec Bozo qui fait des tours Mais elle sort d'où la Mustang là? Ouais, je l'ai piqué. Hein. Ah, tu viens d'acheter une Mustang? Vends-la, vends-la, genre on fera quand on achètera nos premières voitures. Vends-la. Ah ouais, l'autre on est là pour acheter du petit matériel et lui il achète une Mustang. Elle est pourrie, elle est très fort. T'as essayé? Attends. Vas-y, essaye là, tu vois. Il n'y a aucune pêche dessus. C'est vrai qu'elle a pas d'accélération. Ouais. Attends, j'ai mis le gros moteur, mais. Ah ouais, elle a pas de patate en accélération. Bon, après, elle monte à 241 quand même. Attends, je la ramène. Hein. On va pas trop se perdre. Alors du coup, on va ouvrir ce menu. Ouvre-le en même temps, comme ça on regarde ensemble. On va déjà dans le petit tracteur. Un petit tracteur déjà. Un petit tracteur avec. Il nous faudrait un petit tracteur où puisse. Petit tracteur, est-ce qu'on peut mettre voilà, des fourches devant? Ouais, hein. Il y en a un, je pense. Oui, ok. Alors on va regarder, en fait, on va regarder aussi à peu près au niveau des emplacements qu'ils prennent, tout ça. J'aurais bien pris le Le, dis-moi. Arion 460 410 parce qu'il fait partie du DLC, mais Alors attends, je regarde. en gros l'emplacement quoi. Alors le nom, tu me disais? Le dernier dans la Le liste. dernier, ok, alors je vais aller voir. Le Arion, ok. Moins 38. Ça veut dire quoi ça? Ah non, oui, ah ouais, il prend 38 en place. Non, non, mais il prend beaucoup celui-là, par contre. Ouais. Non, Ouais. mais non, tu me disais il restait 200. Mais non, on a 1000 emplacements sur 1299. Non, non, non. Ah non, on est pas mal. Non, 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 on a 1000 utilisés. Ah oui, on a 1000 utilisés, oui, t'as Ah raison. oui, on aurait 1000, ok, là, oui, c'est sûr, on aurait de la place. Alors là, on a quoi ça? Tracteur, on est ça. Ok. Ok. Ah là, 15. Ouais, mais alors si tu dis ok, je sais Oui, pas si non, mais tu. pour l'instant je regarde juste vite fait comme ça. Il y a le 1104 qui a 12 emplacements. Ah, 10 emplacements celui-là là, le lean. Ah ouais, mais celui-là c'est quoi? Non, les lean track c'est ceux-là non? Non, c'est pas ceux-là l'électrique. Non. Oui, il traque les. Ouais, lean track 90 là. Je vois là. Il a 10 emplacements. C'est pas électrique ça, hein? 85 litres d'essence, non. Ouais. Ah bah oui, j'avais même pas capté, ouais. C'est vrai, il y avait ça. Et ouais, mais parfait, attends, en plus il fait 10 emplacements, une chargeuse, il peut avoir une chargeur avant. Et au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, on peut pas, il n'y a pas. Configuration des roues, on peut pas changer de moteur, hein, par contre. Mais après, Ouais, pour le. ça c'est vraiment pour Bah, pour le petit matériel. Attention, là, c'est vraiment pour le petit matériel hein, qu'on achète, hein. Oui, mais on achète un petit matériel, oui, mais pour quoi? Bah, ça sera pour les petits champs, pour les cochons, les poules, pour les. Peut-être un peu les moutons aussi. Bah pour les champs, hein, qu'on ne dit pas. De quoi?
Compte pas sur les champs, hein, parce qu'il te faut au moins 200 Non, euros. mais les champs, oui, non, petit, non, c'est vrai que le plus matériel, ça va être surtout pour nourrir, quoi. Nourrir tout ça. Oui, Oui, oui. c'est pour les animaux. Oui, voilà, pour les animaux, voilà. Du coup, alors qu'est-ce qu'on. On part sur celui-là, je pense, un 10 emplacements, il y a une chargeuse avant pour les animaux, c'est idéal. Pour la ferme, c'est idéal, hein, je pense. Un 10 emplacements, ça nous coûte pas grand-chose en plus. Alors en pneus, t'aimerais bien que on mette quoi comme pneus là-dessus? Ah, je pense que le mieux c'est ceux de base, hein, non? Les Trelleborg. Trelleborg. Hein. Voilà. Chargeuse à. Alors, configuration des roues, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les masses. Pneus larges. Pneus larges plus masse. On a. Ah, y a de la roue jumelée là-dessus, mais non, vu que c'est pour nourrir et tout, on va pas s'amuser à mettre de la roue jumelée. Mais il y a des roues Ouais, jumelées. non. Non, bah oui, hein, vu que c'est pour. Standard. Standard, ça suffit, ouais. Ouais, on va prendre de standard avec masse d'équilibrage. Ouais. C'est large, non, oui, t'as raison, je suis pas Non, j'ai large pas en pris bas. large, hein. J'ai pris standard avec j'ai mis voilà les masses. En couleur, on va partir sur du quoi? La chargeuse avant. Ouais, chargeuse avant, ouais. Chargeuse avant. En couleur, alors qu'est-ce qu'on a en couleur? Silver, du New Holland, John Deere, du Fendt Nature Green. Sinon, T'as le? t'as le Massey Ferguson à côté, hein, Alors qui attends. fait un emplacement de plus. Tu peux le monter à 130. Parce Ah que ouais, quand t'as c'est la vrai. tonne à eau, quand t'as la tonne à eau au cul. Ouais. Ouais, en plus il est pas mal aussi celui-là. Alors attends de voir, je regarde. On a en plus configuration moteur et passe à 130 chevaux. Ok. Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'un emplacement de plus, ouais. Ouais. Sinon, il y a le Voltrac qui a 14 emplacements et qui fait 145 chevaux. Après, ouais, va falloir quand même. Ouais, non, mais celui-là il est pas mal, hein. Et l'autre, c'était le. Valtra. Ouais. Non, là celui-là, mais c'est Ferguson, c'est vrai qu'en plus, celui-là, j'ai déjà pas trop utilisé ces marques. Il me plaît bien, là, celui que tu m'as montré. Ouais. Ouais, juste un emplacement de plus et puis plus Ouais. puissant quand même. Ouais, bah ouais. En roue, du coup, on reste sur les Trelog. On reste sur des roues standards. Hein. On reste sur des roues standards. Avec juste la masse équilibrage. Et on met la chargeuse avant. Celui-là, par contre, on ne peut pas changer la couleur. Hein. Ça sera un rouge. Hein. En 5613, tu l'as pris. Oui, c'est ça. 5613. Voilà, c'est ça. Et ben, du coup, celui-là, on va l'acheter. On va aller le voir. Ok. 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 Alors. Ah, oh bah ouais, il est sympa. Intérieur. Tac. On a un petit siège à côté en plus pour Bozo. Ouais, si, il est sympa celui-là. Ces petits gyros, tout ça. Ouais. Bah, ce qu'on peut faire, bah déjà, c'est acheter sa chargeuse. Comme ça, on peut déjà lui mettre dessus. On n'en a pas une déjà. Non, mais on va vendre tout l'ancien matériel, de toute façon. Comme ça, on part vraiment à zéro. Bah, on ferait mieux de tout vendre parce qu'après on va se mélanger, on saura plus Non, lequel non, est où. t'inquiète. Moi, je t'inquiète, j'arriverai à voir. Parce que, de toute façon, on n'achète pas une tonne de matériel, là. Ouais, mais les. Les autres chargeuses, c'est pas grave, je les ramènerai à la main. Tu sais, hop, je les pose là et hop. C'est pas grave. Alors, du coup, alors, chargeur. C'est dans quoi ça? Dans quelle catégorie c'est encore? Ah, chargeuse avant. Voilà. Du coup, je pense qu'il faut prendre la même marque, hein. Non. Oh bah non, il n'y a pas la même marque de toute façon. Bah, mais je crois que les chargeuses qu'on a, qu'on avait prises,
Ouais. peux les mettre en macé, en fen, en ce que tu veux. D'accord. Et c'était lesquels alors qu'on avait pris? C'était les... Ah bah attends, je vais regarder. Garage, je suis bête. Ce que je suis en train de faire, c'était les stalls. Alors. FZ30 ou Stoll. FZ60. C'est quoi? Lequel? FZ30, FS30 ou FS60? D'accord. FZ. Ok. FZ. Bah Et du la coup, nous, ça serait FZ30, la tu peux 30. prendre parce que, Ça serait ouais, la parce que 30. l'autre, il est 150 chevaux. Ouais. Ok. Du coup, la couleur principale, modifier la couleur. Massey Ferguson. Voilà. Mais du coup, ouais, ça reste quand même en stall, quoi. Ouais, t'as vu le, t'as juste l'autocollant, c'est ouais. Ouais, l'auto. Quel autocollant? Ben, le passant, il y a un autocollant amassé, je crois qu'il apparaît dessus, Ah non? non, non, non. C'est stall. Non, non. Il n'y a pas écrit massé, non. Peut-être quand je vais l'acheter, je sais pas, on verra. Attention, on l'achète. Ok. Elle est en rouge, ouais, c'est bon. Ah ouais, je l'ai mis en rouge, de toute façon. J'ai pris le rouge massé Ferguson. On va déjà lui prendre un premier godet. Hein. Voilà. Godet plus un truc à pas, plus un truc à botte à botte. Un godet, un truc à botte. Ah ouais, voilà. Pas mal nos petits tracteurs de ferme. La gueule alors. Alors, le pic-balle, le stall, la pelle. Ah, celle-là, ouais, pour le FS30. Je pense que de toute façon, c'est la première qu'on va prendre. Ouais, bah oui, la première. Hein. Celle à 940 litres. Hein. Parce qu'après ça. Ouais, c'est léger, 1 000 litres. Ouais. Je regarde. Après. Il y en a un là à 2000 litres, mais il me paraît un peu grand. Hein, 2,7 mètres pour petit tracteur de ferme. Ouais. Paraît un peu gros quoi. Paraît un peu gros. Ouais, bah je crois que y a que celui-là hein, qu'on peut se prendre. Hein. Ouais, parce qu'après les autres trucs, ouais, ils sont un peu trop gros pour un tracteur de ferme. Hein. Je sais pas si T'es t'as en train de regardé. faire la vidange. Ouais. Non, je suis en train de faire la vidange. Ah. Ouais, je pense que bah, de toute façon, l'autre c'est du 2,7 mètres pour ça va faire trop gros. T'en penses quoi? Ouais, non, si c'est bien. De quoi? Si c'est pas mal quand même. Laquelle? 2,7 mètres. Ah, ça me paraît gros quand même. Attends, on va voir, je l'achète, voir. Ça va nous faire 2 fois plus de voyage si tu prends que 1 000 litres. Ouais, mais c'est par rapport au tracteur, quoi. Ouh là là, qu'est-ce que tu nous fais? Si je faisais la vidange. Ah, ça fait pas un peu démesuré dessus? Prends-le voir là, le chargeur là sur le tracteur. Ouais, ça sera le seul véhicule que je vends pas, ça sera celui-là, parce que celui-là, on peut le laisser ici. Pas besoin de le vendre pour le racheter après. Ouais. Par contre, il nous faudra une masse, quoi. Ah bah oui. Parce qu'il me paraît vachement gros quand même. Hein. Il est plus large que le tracteur, le godet, quoi. Ça me paraît un peu irréaliste, quoi. Attends de voir que tu le prennes. Ah ouais, ça paraît quand même gros, non? Sur ce petit truc là. Ouais, le truc qui fait deux fois la taille du tracteur. Mais après, c'est vrai que l'autre 900 litres, c'est pas beaucoup. Après, tu me diras, c'est des petits enclos, hein, cochons, moutons, tout ça. Ouais, je pense que ouais. Ouais, attends, l'autre là. Ouais,
Ouais, comme ça en plus je peux lui mettre en Massey Ferguson. Ok. Ouais. Revends-le, l'autre. Ouais, alors attends. On le vendre tac. Attends, Garage. je vais l'emmener. Non, t'as merde pas. Ok. Je vais l'emmener au truc là. Ok, bah en attendant, je peux voir pour la. Pour les bottes. Pince tellement de trucs maintenant. Manipulateur de Big Bag. Fumier. Ah non, c'est dans l'autre tout à l'heure. Là, ici. Hop, alors. Passe un rubané. Adaptateur du chargeur frontal. Non. Alors. Fourche à balles, voilà. Fourche à balles. Ah ouais, 3 balles. 3 balles carrées. Ça m'a l'air pas mal. Après, on a celui-là. Fourche à pince. Non, attends, ouais, celui-là m'a l'air pas mal. Du coup, celle-là, j'en prenne deux alors. Non mais ça c'est du automatique, non, je veux pas du automatique. J'ai la tête dans le moteur. On va prendre du classique là. On va prendre la pince à enrubanner et une pic à balle. Voilà. Et on va peut-être prendre ça avec, comme ça on aura un peu tout ce qu'il faut. Modifier la couleur, hein. Ça sera que pour le petit matériel. Acheter, oui. Voilà, ok. Ok. Voilà, ensuite la pique à balle. Modifier la couleur. C'est Ferguson. Acheter, oui. Au cas où, si t'en en as besoin, on peut la prendre avec. Non, tu me diras, pince en rubanée, ça sert pas à grand chose. Hein. Une fois que t'as le pic à balle, ça revient au même, non? Ouais, oui. Bah oui, la pique à balle, ça sert pas, ouais. C'est pas utile. Ouais. L'autre, celle-là, c'est pas utile. Ensuite, alors, une cuve pour l'eau. Dans quelle catégorie ça? Alors, remorque. Non. Cuve à lisser, non. Là, c'est où ça? Animaux. Ah, c'est dans animaux, d'accord. Animaux. Ah, c'est là. Voilà. Alors, on a celui-là. Est-ce qu'on en a un autre? Ouh, celui-là, un peu trop gros, là, 800 litres. 8000 litres. Je pense pas qu'on arrive à le tirer. La lise. Et 300 l'autre. Hein. De quoi? Elle fait que 7300 la première. Ah ouais, d'accord. Ah oui, bah ouais. Mais ouais, non, mais ouais, sur l'image, ça paraît tellement. Ouais, non, c'est pas. Ouais. Ah, Après. par contre, l'autre, celle-là, elle peut prendre aussi, c'est ça, c'est le lait. Du coup, ouais, elle est assez intéressante, la lizarde.
Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, bah la lizarde, hein. La petite lizarde de MKS8 là. En Ouais, ils plus, sont bien, ça. ouais, et en plus, ouais, elle Le prend. problème, c'est au niveau du... Comment t'appelles ça? Du... Ah, putain, j'ai perdu le nom. De l'attache, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? là. Eh ben, tu sais, c'est... quand tu recules, ça part dans tous les sens. Ah oui, la tâche, ouais, c'est casse-couille là. Ouais, mais vu qu'elle transporte aussi de lait, ouais, c'est vrai que de toute façon, après, il y a que celle-là. Après, la première, elle transporte que l'eau. Elle prend plus d'emplacement, ouais. Celle-là, elle prend que 3. Ouais, bah ouais, la petite lizarde là. Oh, cool, on peut modifier la couleur. Ah, dommage, on peut pas mettre en black ou black, chrome ou blanc. Comme tu veux. Avec le rouge du Ferguson, ça serait ouais, black. Ah, 29 000 quand même, cette petite queue. Plus cher qu'une Merco. Alors, t'es fou, toi, ça coûte plus cher une marque. Oui, bah, une Merco d'occasion. Voilà. Alors ensuite, il nous faut quoi d'autre là? Alors on a la cuve. Si là-dedans, on pourra bien sortir. De quoi? Non, non. Si, si, au pire. Ah, tu parles. Ah ouais, pour les ressortir après. Tu peux les prendre à la main ou... Je sais pas, attends. Bah, y a rien qui s'affiche pour que je le prenne à la main. Ah bah. Ah bah, nickel. Et puis bah tâchons, ouais. Après ouais, il y en a une deuxième. Du coup une petite remorque de ferme hein, bien sûr pour nourrir les bêtes quoi. Ce Ouais, serait un peu petit bête logique pour quoi. prendre place pour un petit jeu. De quoi? Remorque, ouais. Ouais, alors je vais regarder ça. Il nous faut une masse aussi. Une masse, attends je vais te la prendre direct ça, la masse, alors la masse, les masses, les masses. Masse, c'est dans quoi ça? Divers sûrement. Ah non, il y a masse, tout simplement masse. Masse. Je te prends une masse de 3000 kilos. Non, peut-être pas abusé. Non. Si les bottes elles font 4000. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La masse permet. Donc il en faut une oui, il en faut une costaud quand même si on veut pas que ça. Ouais, on va quand même Donc regarder à part. il y a déjà les masses à l'arrière du tracteur dans les roues. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on a déjà les masses dans les roues. Ouais, non, mais même celle-là me paraît Donc géante, après il y a peut-être pas besoin d'une 3 tonnes non plus quoi. quoi. Ouais. Ouais, une 2002. 1200 tonnes, ouais, si tu veux. En rouge. Ouais, c'est ça que je regarde, là, lesquelles qu'on peut peindre. Ah, il n'y en a aucune qu'on peut peindre. Ah, peut-être celle-là. Ah, si, Normalement, celle-là, à la fin, on peut la peindre. Mais celle-là, elle fait 3300. Là, celle-là, là, attends, voir. Hop. Elle fait 2400, celle-là, c'est nickel. Et en plus, on a du Massey Ferguson en couleur. Bah, voilà. la suivre. Ouais, c'est ça. En plus, t'as vu, ils t'écrivent le poids dessus. Combien elle pèse? Elle est où? Ah, elle est là. Alors, maintenant, la remorque. Petite remorque de ferme. On était sur du combien de chevaux encore celui-là? Celui-là, il fait 130. 130, ok. Non, mais je peux te emmener à la ferme là déjà. Bah oui, si tu veux, oui. Pas Parce que de la soucis. remorque, tu la prendras avec le pick-up. Hein. Bah ouais, au pire. T'oublieras pas de les sangler les machines. Hein. Quoique, je sais Ouais. pas si ça sangle ou Au pas. cas où.
Si, si, il y a des sangles sur le. Ouais, mais je sais pas si ça Ah. prend en compte le fait que ce soit ça ou pas, Ouais. quoi. Ouais, par contre, ouais, sur les remorques là, ils mettent pas à peu près combien de chevaux pour tirer, hein. C'est pas écrit sur les remorques. Non, mais de toute façon, une remorque à vide, tu la tires avec le plus petit tracteur, tu peux, hein. Oui, c'est ça, mais après, une fois pleine, On fera tu. pas une, quoi. Sais pas, on pourrait partir sur quoi? 10 000 litres ou 14 000 litres? Après, c'est une petite remorque de ferme. Ouais, 10 000, je pense. Ouais, 10 000, je pense aussi. Ouais. Après, je pense que ça fait un peu trop gros. Ah, oula, attendez, je coupe l'enregistrement vite fait. Elle est Alors. payante au truc là, mais elle est gratuite au Tu parles du rong là que j'ai mis? du quoi? Ah, tu parles de derrière la maison? Ouais, Normalement, c'est c'est gratuit gratuit, hein. ou... C'est comme c'est considéré comme un ruisseau, quoi. D'accord. Ah, cool, en plus, on peut modifier. Ah, on peut mettre la marque. Michelin, Lisa. Ah non, c'est les pneus, je suis bête. Je vais mettre des petits Michelin là. On va attendre ceux-là. Non, petit Michelin là. Non, ils font pas assez. Non. Ouais, non, ceux-là sont plus propres. Niveau des couleurs. Modifier la couleur. Petit rouge. Non, on va partir sur. C'est remplissage, ouais, c'est gratuit derrière. Et là, on part sur. Là, on a du MSF Ferguson. Ok, et du coup là. Ah non, on n'a pas de noir là. Ouais, comme ça, ouais, pas mal. Elle est pas mal. Acheter. Voilà. Ben voilà. Et après, ben, le reste, tout ce qui va être pour les champs et tout ça, on prendra quand on commencera le travail. Là, c'était vraiment s'occuper de ce qu'il faut pour nourrir les animaux. Attends, alors on a une remorque, on a une cuve à eau pour nourrir les animaux, on a ça. Les cochons, ça a besoin de ration spéciale mélange? C'est une nourriture pour cochon. Nourriture pour cochons, ouais, il n'y a pas du ratio machin spécial Non, quoi. mais de RTM, non. Mais tu peux la faire, toi, ta nourriture pour cochon, pour mélanger du maïs et je sais plus quoi. D'accord. Et ça se fait pareil dans un mélange. Non. Non, non, c'est. Oula, 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 oula! Oula. Non, c'est quand tu. Quand tu leur donnes à bouffer, tu leur donnes du maïs, ça va te mettre un pourcentage de maïs. D'accord, ok. Ok. Bah, par contre, la cuve à eau, elle va rester dehors, hein, parce que pour la garer. Et si ce que je peux prendre en plus, c'est une petite pailleuse, non, pour les moutons? Ils ont besoin d'une pailleuse, les moutons, ou pas? Pailleuse, non, ils n'ont pas besoin de pailleuse, les moutons, Non. mais il nous en faut Ah. une pour les cochons et pour les vaches. Les cochons? Même avec l'enclos ouvert comme ça, ils en ont besoin? Ah ben, normalement, oui. Ouais, ok. Ouais, pour les vaches, oui. Après, pour les vaches, de toute façon, il faudra. Je pense que les vaches, on les nourrir avec un peu plus de. Du matériel un peu plus gros, je pense. Les vaches. Ah, c'est écrit les tables. Ouais. Ouais, pourtant, ils écrivent que, tu vois, cette machine sert à répandre la paille des balles au sol pour l'étable à vache. Ils précisent pas cochon. Je te dis peut-être une connerie pour les cochons. Ah. Ouais, bah pour l'instant on va pas la prendre, on verra sur le tas. Bah là on a déjà ce qu'il faut de base. Un transport d'animaux par contre il nous faut, parce que ça, ouais, maintenant on les prendra en transport les prochains animaux qu'on achète. Hein. Ça va pas plaire à Bozo ça. Alors, Si, c'est intéressant, Ah si, si. ah ça va. Ok.
Bah, la plus petite qu'on peut prendre, c'est celle-là. La Betamax RDS. Ouais, aucune personnalisation, ok. Ouais, mais de toute façon, après, dans l'autre, ça fera un peu. Ouais, bah après, ça, de toute façon. Ouais, non, de toute façon, si, après, on les prendra en fen ou. Ah, ouais, non, il n'y a que 4, ok, d'accord. Ouais, bah alors, celle-là, alors. Et ça sera. Celle-là, ça pourra être plus tard avec des camions. Ok, bah celle-là, hop, acheter. Tac, ok. Alors, si tu veux, tu peux revenir avec le tracteur et prendre la remorque. Parce que du coup, ben, il y a deux remorques, quoi. Attelage. Ouais, t'avais pas mis le mode avec les étagères là, pour mettre tout le matériel. Les étagères. Ouais, c'est des grandes étagères sur lesquelles tu mets Ah oui, tous où les tu trucs. mets. Bah, regarde voir, regarde voir. De toute façon, ça, c'est des trucs qui sont plaçables, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais. Bah, regarde voir, je te laisse regarder, et puis je vais ramener les deux remorques là. Hop. Je vais réussir à la tirer. Ouais, nickel. Ah, j'adore acheter de nouveaux matériels. C'est trop kiffant. Voilà, comme ça, déjà on aura ce qu'il faut. Là, le petit matériel pour nourrir les animaux, tout ça. Et prochain épisode, ça y est, on commence les choses sérieuses, on commencera à travailler au prochain épisode. Hein. Et du coup, bah voilà, au chaque fil des épisodes, comme ça, vous verrez l'achat de nouveaux matériels. Et c'est mieux comme ça que tout acheter d'un coup. Alors, comme ça, au fil des épisodes, hop, on achètera hop, au fil qu'on a besoin. Prochain épisode, bah, je pense qu'on achètera notre premier fen pour les champs. Hein. Notre premier fen de. Première moisse-batte, etc. Hein, ça va faire plaisir, ça. Bien sûr, on va que pareil, hein, vous connaissez. On commence par petit, après on reprendra des plus gros, et ainsi de suite, quoi. À part quand on fera les patates, là, ce sera directement du gros, parce que vu qu'on s'attaque à un gros champ, ça sera directement du gros matériel. Ça, il n'y a pas le choix. Mais en moissonneuse, on va commencer par voilà, des moyennes, peut-être pas des petites non plus, mais des moyennes, et voilà. Et on ira après. Histoire de varier les machines et tout de Ah temps mais en il y a temps. une attache sur la masse là, c'est bien. Ah ouais? Ah du coup ouais, tu peux mettre à l'arrière et attacher une remorque. Ah, c'est que pour la remorque là. Bonjour, il a pas vu les chemins. C'est toi qui m'as foncé dedans. Ah ouais, arrête. Putain, j'ai failli me retourner. J'aurais dû la refaire respawner. Ouais non, je t'aurais un bidou. Alors, est-ce qu'on va réussir à la garer? Ah, mais attends. Ah, bah non, pas comme ça. Bah je vais le mettre là, le matos. Où? Hein? Pourquoi ça lève la fourche? J'ai rien demandé, moi. Non, j'arriverai pas à la rentrer comme ça. Oula. Attends, c'est un bug, là, je peux plus baisser et élever la fourche. Ah bon? Alors, oulala, alors moi et les manœuvres en remorque, hein, vous le savez, c'est pas mon fort. Mais on va y aller. Oula. Ah mais
Attends, je te laisse là le truc là, parce qu'il faut que tu sortes le matos du. Ah oui. Je vais chercher le vidéo projecteur. Et voilà. Et c'est rangé. Bah tu... Ah bah oui, non, j'allais dire non. Alors mon bar... Ah ouais, la croche juste derrière, ah ouais. Nickel. Ah ouais, c'est en remorque aussi avec le team qui bouge là, putain. Ah oui, j'ai pas enlevé les attaches en fait sur le truc, ça va, sinon je vais emporter la camionnette avec. Hop. Ça, si la camionnette là va être vendue avant, après la voiture là. Hop. Je vais la mettre sous le pentil, la remorque. Celle-là, elle va être galère à prendre. Et bien là, ah ouais, là, c'est même pas pris. Ah là, celle-là, je sais pas du tout comment je vais faire.
Elle vend pas tout, hein. N'oublie pas que moi je dois faire un live où je dois transporter tous les silos, tout ça. Tous les silos. Bah, ce qu'il y a dans les silos, tout ça et tout. Non, mais là j'ai revendu le Les boîtes. tracteur que j'avais avec la lame et Hein? le truc pour tasser là. Ah, oui. Je peux prendre mes moissonneuses aussi. Oui, moi je connais, oui. Non, mais de toute façon, ouais, ce qu'il faut vendre en dernier, c'est le camion avec la Ouais, remorque. ouais. Quoi qu'il nous en faut un, mais j'ai vu que t'en avais pris un camion. J'en avais pris un. Ah, en mode, tu parles? En mode. Ouais. Pas le mieux, mais bon. Là, maintenant, on va garer le tracteur. On n'en garde pas une moissonneuse pour Bah en racheter. non, on rachètera vraiment un neuf comme je t'ai dit. En plus ça c'est des grosses moissonneuses. Au début on va commencer avec une moyenne, tout ça, pour essayer de varier. Voilà, à chaque fois varier le matériel petit à petit. Sont pour l'instant le premier gros champ. De toute façon on a décidé que le gros champ serait de la patate en premier. Ce serait un gros plan plate patate. Et voilà. Et voilà notre petit matériel pour les animaux. Bah, c'est génial. Voilà, on a la remorque pour le transport. On a nos fourches. Tout ce qu'il faut. Petit karcher qui est là. J'ouvre ça. Ah, d'accord, la porte là aussi elle s'ouvre. D'accord. Ok. Ah ouais, du coup, ce qui fait que j'aurais peut-être même pu les mettre là. Ouais, on peut même mettre une remorque ici, du coup, quoi. Par la suite, ouais. Dommage que là, ça se ferme pas. Et ben voilà, les gens. Alors, c'est la fin de la vidéo. Alors voilà, on a acheté vraiment là, c'était vraiment le petit matériel. Et ensuite, bah, la prochaine fois, on commencera les choses sérieuses. On va commencer, voilà. Bah, juste entre-temps, moi, je ferai un live pour. Bah, vendre, bah, pas vendre, mais bah, vendre le reste du matériel, rapporter le reste des cultures et tout qu'on a là-haut, les bottes, tout ça, ranger tout ça et tout. Voilà, une fois que le live lag est fait, bah, là on ressortira une vidéo et on commencera le vrai travail. Hein. Alors, déjà, ce sera de bah, s'occuper poule, cochon en premier. Voilà, du coup, il faudra qu'on achète, je pense que c'est là qu'on achètera notre premier fen, notre premier mouas, pour bah, bien sûr. Je les remplisse Faire des champs. la tonne à eau. Ok, d'accord, bah nickel en plus. Elle est où au fait? Dans la ferme. Ah bah faut la venir la remettre ici. Hein. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partir du prochain épisode, c'est les choses sérieuses. Allez, salut tout le monde, bye!